Le petit loup, voilà, là je viens de le réveiller, moi j'ai fait la sieste. Regardez, pendant qu'il dort, moi j'ai mis ma pâte à crêpes qui est déjà prête. T'as mis quoi dedans? Alors j'ai mis deux œufs, deux cuillères à soupe d'huile et une pincée de sel et deux cuillères à soupe de sucre. T'as pas dormi? Et du lait et de la farine. Non, je n'ai pas dormi parce que j'ai une tête à part de sieste pour le blé. Moi j'ai dormi, hein, je crois que tu l'as. C'est toi, et là tu fais. Je fais une tarte. Je fais un gâteau aux pommes, j'ai mis 3 œufs, une pincée de sel, je vais mettre un verre de sucre. Tu as fait la cocotte? Ah oui, j'ai préparé les haricots verts qu'on va manger au beurre. Haricots verts, c'est-à-dire sans sauce, sans rien. À l'eau, on les mangeant au beurre. C'est très très bon qu'on mange avec du riz. On va se régaler. Ça ne nous empêche pas de manger. Attends, là tu fais. Ah ouais, tu as fait. Un verre de sucre. Ouais. Toi, t'avais dit que t'as mis la farine et. Trois cuillères. Je ne sais même pas si j'ai filmé ou pas filmé, je ne sais pas ce que j'ai fait. En tout cas, on a mis 3 œufs, une levure, une vanille. Un verre d'huile. Un verre d'huile et un verre de sucre. Un verre de sucre. Et je pensais que je filmais, c'était même pas filmé. On a parlé pour rien. Vous avez vu quand vous mélangez bien, voilà, c'est on liquide. Parle pas pour rien, hein? C'est liquide. Il faut bien mélanger, mais en plus j'ai le bras complètement là, handicapé là, je vous dis pas. Et là on va mettre les pommes et les poires. Voilà, je laisse reposer la pâte. En attendant, je fais les pommes et les poires. Vite fait, bien fait. Moi, je pensais que je filmais, ça ne filme pas. Moi c'est pas grave. Là on coupe les pommes et les poires. Vous allez voir comment elles sont toutes petites. Vous avez vu ça? Waouh! Ben, elles sont super bonnes et sucrées. Hein. Petites poires. Mini poires. Voilà, c'est du. C'est pour les mini pousses. Voilà, c'est des mini. Et on a les mini citrons. Moi, ça, c'est du jardin. Mini ouais. Citrons, mini poires. Ah non, quand même, tu as des poires, ils sont un petit peu plus grands. Ouais, je vous assure, le prix, ça vous fait peur. Hein. Ah oui, c'est 400. On a des citrons dans le jardin. Heureusement qu'elle a des citrons, des pommes et des poires. Parce que les poires, c'est. Non, les pommes, c'est. Non, les pommes, c'est 450 dinars. 450 dinars. Après, ne me dites pas comment ça vaut en français, en orange, je sais. Je sais pas. Je sais pas. Ah, peut-être. Non, de nous, ils sont moins chers en France. Je sais pas, mais en tout cas, en Algérie, tout nous paraît cher. Je sais pas pourquoi, mais c'est vrai. Hein. Je sais pas pourquoi. On n'a pas l'habitude aussi. On n'a pas l'habitude ou. Pas tous les jours au bled, hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Surtout moi. La frangine, c'est sûr, mais moi. Moi, je les vois et même je me porte. Ça ne veut pas dire que j'aime pas. Attention. Je n'ai pas me critiquer. Faut pas dire des trucs comme ça parce que. Vous allez dire que j'aime pas mon pays. Non, j'aime mon pays. Mais. Voilà. J'aime mon pays. Quand je vais dans les grandes villes, là, ouais, c'est cool. Je ne vais pas vous mentir. Mais quand vous avez un petit bled, je crois que ça fait peur. Après, nous, on est dans un petit village. C'est un petit bled où on est. Mais hein. Parce que. T'as vu quand on va. Tu le montres, connais-tu le monde? Quand vous sortez, là. Ah, non, t'as vu qu'on va à Oran et tout, ça n'a rien à voir. Oran, Alger. Bah, c'est comme si on était en France. Hein. Non, ça oui, là tu visites, tu. Ça n'a rien à voir. Les pays touristiques, c'est la classe quoi. Après, l'Algérie c'est très beau, mais il y a un moment stop quoi. Vous avez tout vu quoi. Vous avez tout vu. Dans le Tibet, là vous avez tout vu, mais après c'est beau. Blasé quoi. Enfin, moi je me lasse. Hein. Il y a des qui sont en train de partir, tant mieux pour eux. Hein. C'est comme ma mère, tu pars, rien ne lui fait plaisir. Hein. Moi c'est pareil, ça ne me dérange pas. Hein. Ah voilà, toi tu ne te déranges pas, non, moi ça me dérange. J'en ai marre d'être au soleil, là. Les boutiques qui ont de 4, de je ne sais plus quoi, 5h à 6h. Voilà. Ouais, ici chez nous, en tout cas dans le village, les boutiques ils ouvrent à 10h. Après, moi, c'est pas ils vont faire la sieste. Bah, c'est marrant parce que je vous ai dit gâteau aux pommes. Bah, non, c'est. Vous avez vu, ils ont la même couleur, c'est gâteau aux poires. Voilà. Ça, c'est des poires. C'est que des poires. Ah bah voilà, bah, des poires. Oui. Voilà. Je pensais que c'était. Il y avait du. On a un peu de la poire. Bah, c'est très très bon la poire. En plus, c'est de la poire bio pour ceux qui raffolent du bio. Alors, on est un peu. Ça n'empêche pas de prendre n'importe quelle poire. Hein. C'est pas... Des poires, c'est des poires. Hein. Voilà. Attends. Tu me ramènes le plateau, là, je sais pas quoi. Ouais, attends, j'ai du papier, ça, du papier suffirait. Donc voilà, ce gâteau aux pommes, on va le ramener au voisin. C'est pas aux pommes, c'est aux poires. J'allais dire, ah oui, on a acheté des robes d'intérieur, madame, elle voulait pas nous les coudre.
Parce qu'elle a dit fait qu'on les lave avant. Parce qu'ils s'arrêtent ici, le dessus. Par contre, quand j'ai lavé, ça n'a pas rétréci. Hein. Bah, ça dépend, mais ça, c'est de la qualité. Hein. C'est pas ça, il faut repartir demain. Quoi. Donc, on n'a pas le choix, hein. On va repartir. Hein. Demain, on va partir. Là, je le tiens, tu mets dedans. Donne. On n'a aucun choix. Non, mais ça va, elle trouve vite, la dame. C'est vrai qu'elle est rapide. Elle est rapide, elle trouve vite. C'est pas ça, elle ne fait pas comme les gens. Ouais, t'as vu. Hein. Si j'avais un truc, vite fait, à vous faire sur place. En plus, c'est pas cher, hein. On ne voit pas. Quand on dit on ne vole pas, c'est certain, attention. Ouais, pas tout le monde. Les gens sont honnêtes quand même. On ne va pas tout mélanger. Non, c'est pas quand on dit, c'est pas qu'ils volent. Après, c'est quand ils voient les immigrants, il faut dire la vérité. Regarde, t'as vu, il y a une dame, elle est passée devant nous. Ils lui vendent une gilaba à 300 dinars. Après, nous, on passe derrière, il nous dit 500 dinars. Et après, le pire, c'est quand ils vous courent. Après, ça y est, je vous ai ramené notre gilaba. Mais vite fait, je sais pas où il a été déniché, on sait rien. Dans une autre boutique. C'est pas de la critique, c'est vous, vrai. Ils vous courent après. Hein. C'est vrai, ça. C'est pas... Les gens qui sont ici, ils leur courent pas après. Nous, ils nous courent après, c'est pas un problème. Et quand ils nous voient, ils croient qu'on est riche ou je sais pas quoi. Le porte-monnaie est rempli. Je te jure. Alors que chez nous, on mange des spaghettis. Des pâtes. Imaginez le truc. On mange comme eux. Hein. Après, on mange normal, je vais pas mentir. Ouais, hein, ouais. Après, on rigole. Hein, vous non, rigole. Moi, mon frigo est rempli de viande, de merguez et compagnie. On fait rire, hein, c'est tout. Là, c'est de l'humour. C'est de l'humour. Ceux qui ne comprennent pas de l'humour, c'est pas notre faute. Hein. Ouais. Si on ne peut plus parler, plus rigoler. Hein, voilà. Après, c'est dommage. Hein. On meurt tous un jour, hein, vous voyez. Il faut rigoler un peu. Hein, parce que, on ne nous a pas mis des menottes pour venir ici. Hein. La vie, elle n'est pas belle. Oui, on ne nous a pas mis des menottes. C'est parce qu'on avait envie d'y aller. Hein. Après, attends, je vais enlever ça. Un petit peu d'humour pour faire donner un peu de gaieté. Et ça fait rire en plus. Un peu de gaieté. Et puis, je ne veux pas vous mentir. Il y a du vrai. Et même nous, on rigole de notre connerie, de toute façon. Il y a du connerie et il y a du vrai. Je suis désolée, je le dirai, je le dis parce qu'il y a du vrai. Oui. Bon, voilà, et là, on va enfourner à 180 degrés. Ah, tu fais les crêpes maintenant? Très joli. Non, pas maintenant. Après? J'attends que tu... Je vais griller si je fais les crêpes. Regardez la voisine, ce qu'elle nous a ramené, du B6 mais avec du miel. Nous, on est tous diabétiques. Non, mais il y a qui aiment, mais moi, franchement... Moi, j'aime bien le B6, je ne vais pas te mentir. Oui, mais c'est pas avec du miel. Ils l'ont trempé dans le miel comme si c'était du gâteau au miel. C'est dommage. Il y a du miel à l'intérieur. C'est du gâchis. Ah ouais, en plus, moi, j'aime bien ça. C'est pas tout le monde qui mange ça, attention. Dites-moi si vous aimez ça avec du miel. Donnez-le-nous vos commentaires pour voir un peu, parce que là... Tu vas le manger? Je vais le donner comme ça, vous savez ce qu'on mange. Bah, voilà, c'est dommage, en plus moi j'aime bien ce truc là. On va en faire nous-mêmes, vous allez voir, on va le faire nous-mêmes. Dans la recette, vous allez voir. Vous nous direz, vous préférez ceux au miel ou... Mais ceux qui critiquent, hein, ça ne fait pas peur. Franchement, on veut peur. Moi, les critiques ne me blessent pas. Pourquoi critiquer, hein? Non, moi j'aime bien. Je sais. Non, mais après, t'as des critiques et critiques. Hein. T'as critiques qui sont méchants. Non, c'est pas de la méchanceté. Si c'est pas de la méchanceté, moi. Ouais, voilà. Après, c'est pas une obligation de regarder. Hein, bah, c'est ce que je veux. Bah oui. Et ça, à l'intérieur, regardez. Après, faut... Non, c'est ceux qui peuvent manger du sucre, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Non, mais c'est très bon en plus. Il y en a, j'ai goûté, moi, il est bon. Mais comme on devient tous diabétiques. Pas de sucre. On évite le sucre, alors. Ouais, c'est ça le problème. C'est très gentil de la part de notre voisine. Elle n'arrête pas de nous ramener des trucs. Franchement, c'est la première. Là, ils sont gentils, nos voisins. On passe plein. Ce matin, elle m'a dit qu'ils étaient réveillés. Hein. Ouais, je sais pas, ils sont bizarres. Parce que je lui ai dit que la porte était fermée. Elle me dit non, j'étais réveillée. Moi, j'ai pas compris. En tout cas, moi, j'étais réveillée, j'attendais. Comme... Non, parce qu'eux, ils dorment pas le matin. Ouais. Donc voilà. De quoi? On va manger quoi ce soir? Ce soir, je vais faire très très simple. Alors, un couvert au beurre avec un peu de riz et un peu de merguez et accompagné de poivrons. Plein de poivrons. Coca Light, évidemment. Et puis, comme c'est, et puis des, comme dessert, melon. Et là, on va se voir notre cousin à la campagne, hein. Je vais vous filmer un peu. On va vous filmer un petit peu la campagne. Le style campagnard. Le style campagnard, il ne bouge pas, c'est belle femme. Moi, j'aimerais bien bouger, balader dans le truc, mais non,
Ils sont que assis, tu. Bon, les petits loups, voilà, le gâteau, il est en train de cuire. Bon, je ne veux pas attendre qu'il cuit parce que moi, je vais aller dormir. Une fois qu'il sera fini, je... Moi, je vais faire un peu la sieste, là. Toi, tu vas pas dormir, toi? Non, je vais aller là-bas. Tu vas laver quoi? Les escaliers. Mais après? Non, je dors, ça y est, c'est fini, tu vois, je dors pas. Ok, l'escalier. Ah, l'escalier, je vais avec la de... L'arroser un petit peu. Bah ça, on peut le faire après. Non, mais après, vous allez partir chez l'autre, c'est pas arrêté. Donc voilà, je veux la cocotte qui cuit. Je vous ferai montrer le repas plus tard parce que là, je vais aller faire la sieste. Je suis fatiguée. Bon, les petits loups, bon appétit!